Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente le film Back to the Beach, ou en français, c'est Malibu 88. Donc, un film qui arrive pour la première fois en Blu-ray. C'est distribué par Paramount et disponible depuis le 9 août 2022. C'est un film que je ne connais pas, c'est un film de 1987. Je connaissais absolument pas son existence. C'est peut-être pas non plus un style que j'ai regardé souvent auparavant. Mais ça met en vedette Frankie Avalon et Annette Funicello, donc deux acteurs qui, dans les années 60, ont fait quand même ont eu beaucoup de popularité avec des films style qu'on appelle des beach party ou des films de plage. Donc ici, ils reviennent en fait dans une histoire dans laquelle ici, un couple, c'est une genre de tribulation sentimentale où un couple vont revenir passer des vacances sur la plage où ils se sont connus 25 ans auparavant. Donc c'est un mélange de films d'hommage, un film un peu parodique aussi, puisqu'on retrouve plusieurs vedettes qui font des apparitions, des caméos. On a notamment Bob Denver, alias Gilligan, hein, dans la série télé L'île de Gilligan. On a aussi Pee-wee Herman également qui est de la distribution. Il y a plusieurs autres caméos qui font partie justement de ce film-là. Donc je vais le déballer, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Moi qui aime quand même beaucoup les années 80, je n'avais jamais entendu parler de ce film-là. Donc bien curieux de voir à quoi m'en tenir avec ce film-ci. Donc, je vais vous montrer un peu plus près la pochette. On peut voir les deux acteurs vétérans des films de plage sur le devant de la pochette. On a également, on peut voir quelques apparitions d'acteurs qu'on peut voir au bas de la pochette. Voilà. On retrouve aussi quelques images à l'arrière. Voilà. Donc, je peux quand même ici mentionner qu'on retrouve des pistes sonores en anglais DTS HD 5.1. On a aussi du français 2.0, des sous-titres en anglais et en français. Le film est d'une durée de 92 minutes. Et côté supplément, on a cinéaste en lumière avec la réalisatrice Linda Hobbs. Donc si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur ce film-ci, sûrement que c'est un supplément qui va s'attarder davantage sur ce film-là. Donc, à l'intérieur, on retrouve un code pour la copie numérique. Et par la suite, on retrouve ici le film en format Blu-ray. Voilà. Donc, j'avoue, je suis curieux, j'ai hâte de découvrir ce film-là, donc Back to the Beach ou Malibu 88, qui semble rendre hommage et en même temps un peu parodique des films de plage des années 60. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que ce film-ci, Back to the Beach, vous connaissez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes curieux de voir ce film-ci? Donc, si vous voulez, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!